Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve non pas à Disneyland mais presque à côté, puisque là on voit le bâtiment de Rock and Roller Coaster et derrière la Tote. Ah, c'est le métro de merde. J'attends qu'il ait fini de passer pour pouvoir continuer. Donc vous l'aurez remarqué, je suis tout seul. Et aujourd'hui la boutique World of Disney réouvre. Donc je pense que je vais y aller, je vais m'acheter quelque chose, peut-être un pin, je vais voir. Et voilà. Et je vais aussi vous montrer un endroit où on peut bien voir le parc. Donc le parc doit réouvrir le 17 juin. Nous sommes actuellement peut-être le 24, je sais pas, le 24 mai. Et donc le parc est évidemment pas encore réouvert. Mais ça n'empêche qu'on peut déjà aller presque à l'intérieur. Enfin, on peut le voir de loin, mais c'est déjà suffisant. Après, ça sera encore mieux quand on pourra aller à l'intérieur. Donc là, on va tourner à gauche. Il y a du vent ici. Donc là, on voit le petit RER qui rentre dans sa gare. Et là, on voit Rock and Roller Coaster juste devant. Et devant, aussi, il y a des panneaux de permis de construire. Donc on va y regarder ça. Bien sûr, je suis déjà allé plusieurs fois, donc je sais déjà ce qu'il y a. C'est pour ça que j'y vais. Je vous montre, parce que sinon, ça sera un peu décevant. Donc là, on voit toujours le métro qui est toujours en train d'entrer. Et là, c'est la gare en train de ce parking. On ira tout à l'heure au-dessus du parking pour voir un peu tout. Et donc là, on va voir le launch, enfin le bâtiment qui permet de launcher le coaster. Et là, c'est où se passe tout le layout. Donc voilà. Donc studio 8, studio 9. Donc, ici, c'est fermé. À chaque fois, c'est fermé, je sais pas pourquoi. Et là-bas, c'est ouvert, mais on va pas y aller parce que c'est sous vidéosurveillance. Et je ne tiens pas à avoir des problèmes, même si on peut juste voir ça. Mais bon. Donc il y a des permis de démolir, de démolition partielle de cette grille d'accès au parc. Implantation d'un relais média. Je ne sais pas trop ce que c'est. Création d'une structure ouverte de contrôle d'accès et de tente de contrôle des sacs. Démolition totale des modulaires dans la zone de service au parc Walt Disney Studio. Donc là, on voit les petits trucs qu'il y avait au Walt Disney Studio. J'essaie de faire un zoom propre. Voilà. Donc ici, c'est les trucs qui servaient à la construction, enfin à la zone de Rock and Roller Coaster. Je crois qu'il y avait ça devant. Maintenant, il n'y a plus, vu que c'est derrière. Il y a des chantiers. Mise en place d'une porte de façade de bâtiment de la Notée. Donc ça, c'est dans l'autre parc, c'est pas au Walt Disney Studios, c'est dans Fantasyland. Dépose et remplacement des guérites, tourniquets, portail d'accès au parc Walt Disney Studios. Oui, ils vont faire un truc plus moderne pour les entrées, pour quand on doit scanner le ticket ou passe. Clôture, réservation employée à l'entrée nord. Bâtiment bunker, ça, je sais pas ce que c'est par contre. Ah, il y a une porte ouverte là-bas. Je me demande où elle va. Peut-être voir le layout. Ça me donnerait. Non, rien. Et là, il y a les chariots, les trains de Rock and Roller Coaster qui ont été un peu cassés. Parce qu'ils vont finir à décharge, je pense. Hein. Ils vont pas durer longtemps. Là, on a encore démolition de ticketing. Extension du bâtiment existant de la construction d'une cabine de peinture. Et rénovation d'Orbitron. Donc, Orbitron, il a dégagé. Hein. Avec la pose d'un garde-corps. Mise en place d'un abri bois et pose de garde des faux et de faux terrassons de tir de Main Street West. L'émotion d'un abri bois aussi. Là, on peut voir les chantiers qui a l'air de bien avancer. Il y a une grue et là-bas il y a des échafaudages et on voit même un bout de la future attraction Spider-Man. Donc on voit le derrière de la Tote. Donc on voit pas le layout, c'est dommage. J'ai hâte qu'il réouvre hein, parce que là je peux plus d'attendre. Donc voilà, donc maintenant on va aller au parking pour vous montrer. Merde, je vais tomber. Pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut voir depuis ici. Et après, je pense qu'on ira dans le magasin parce que c'était un peu le but de cette visite. Hein. Donc ouais, ça ne durera pas très très longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à filmer, sachant qu'on ne peut pas aller dans le parc. Et pour ceux que ça intéresse, je n'irai pas à Disneyland le 17 juin parce que j'ai pas envie de payer pour être dans un parc blindé, même s'il y a une jauge de 5000 personnes. Et aussi parce que bientôt je vais acheter le pass aussi, et que ça sert à rien que je dépense je sais pas combien pour juste une journée. Si je peux dépenser après pour un pass annuel que je vais rentabiliser vite. Donc je peux encore attendre, mais je pense.
Mais bon, je serai quand même à l'ouverture. Je n'irai pas dans le parc, mais j'y serai parce que c'est pas très loin, donc je peux y aller comme ça. Puis je ferai un tour au Disney Village aussi. Vous pourrez peut-être m'apercevoir si vous y êtes et que vous ne payez pas, parce que vous serez dans le parc pendant que moi je serai dehors. Donc voilà. Et ça y est, nous sommes devant l'entrée pour le Disney. Et on peut voir que ça a été. Avant il y avait des palissades, maintenant il y en a plus. Donc c'est beaucoup mieux. On va aller voir le Disney Studio. Ça réouvre le 17 mai, juin, j'ai du mal. Donc voilà, là-bas, il y a du monde par contre. Nous voilà dans la boutique et là il y a déjà de nouveaux trucs. On peut voir des, oui, des sortes de gourdes ou truc machin pour le café. Et là il y a des t-shirts assez sympas ici, ouais. Moi ce qui m'intéresse plus c'est ça. Donc là, il y a le rayon toujours américain. Donc les serviettes américains, les tasses américaines, tout américain quoi, c'est Disney. Et donc là on a la vaisselle. Des montres. Ah oui, il y a des tabliers aussi, pour faire la cuisine en fait. Mais bon, moi ce qui m'intéresse le plus c'est les pinces. Et on va y aller tout de suite. Je crois peut-être que je me rachète une lanière. Il n'y a rien de nouveau, je crois. Ah si, ça c'était pas la dernière fois, je crois. Un tour, on vient tout à l'heure. Je vais regarder au niveau t-shirt, plus jersey, tout machin. Ça a l'air bien ça. Là c'est magnifique ça. C'est pas très cher en plus, mais j'ai pas assez. Oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Et là on voit le magnifique ciel étoilé avec la mofira. Je pense que j'ai pas été longtemps dans le magasin, j'ai juste acheté mon pin, c'est une nania, et puis après on sortira, on ira voir l'hôtel New York de loin. Et voilà, on est ressorti et donc j'ai acheté une nania comme ça et aussi un pin 2021 pour se remémorer cette année où les parcs ont pu réouvrir enfin. Je ne vais pas vous laisser encore parce que c'est pas fini. Hein. On voit bien le magasin là. Ma manière à se barre. C'est chiant ça. Et voilà le Disney Village. Et le planétoïde qui a été refait. Et c'est tellement mort et vide. Bientôt ça va réouvrir enfin. Ah, ils ont mis des affiches là-bas. Donc on voit bien la gare. Et nous, on se casse. On voit la nette encore. Avec la voiture là-bas. Donc direction la sortie de la gare routière. Pour aller vers l'hôtel New York. Pour voir un peu. Même si je m'intéresse pas vraiment à ça. On se retrouve plus loin. Donc ça bosse ici, il y a des travaux. Hein. Enfin là on est dimanche donc personne ne travaille, mais ils sont en train de faire l'abri hein, ici comme ça. Pareil là-bas parce qu'avant c'était des toits, une sorte de toit, je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, j'ai oublié de filmer dans le parking, mais bon. Tant pis, hein. De toute façon en plus. Ah bah je peux filmer dans celui-là je pense. Mais de toute façon il n'y a pas grand chose à voir dans celui-là, je crois pas. Et bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon vous le verrez mieux quand on y sera. Donc je pense prendre le pass annuel dès que je peux, s'il existe encore, parce que en ce moment c'est un peu compliqué. Et voilà. On peut
peut voir l'accès pour depuis le parking. Et là-bas, il y a aussi le parking. Mais bon, je vais pas traverser tout ça pour vous montrer le parking. Ça servira un peu à rien, même si on peut le voir un peu là. Mettre des panneaux solaires. On peut le voir, les panneaux solaires d'ailleurs. Non, on voit pas les panneaux solaires. Ah oui, là, on voit bien les tentes par contre. Hein. Et là-bas, il y a le truc pour les pique-niques. J'y suis allé une fois. Sinon, le reste du temps, je crois qu'il est fermé. Non, je sais pas, vous voyez aussi bien la plaine là-bas. On voit la vallée, on voit la vallée. Genre un peu au masque parce qu'il y a personne. C'est pas un crime, je pense pas. Donc on va vers la 4 à pied, allez. Et l'hôtel New York est là-bas. Bon, c'est sympa ici, il y a personne en plus. Enfin, il y a juste des voitures, mais bon. C'est pas grave. Donc on va passer à côté de l'hôtel New York, du Sequoia, du Newport aussi, ce qui sert de centre de réservation, de vaccination. Donc là on voit bien l'hôtel New York, ça a été bien rénové j'ai l'impression. Donc c'est Art of Marvel, mais c'est fermé puisque de toute façon c'est fermé. On va dormir à l'intérieur. Ça ouvrira après, après le parc, hein. Ça ouvrira le 22 mai, juin. Ah je suis fatigué aujourd'hui, hein. Je confonds mai et juin. Sinon les constructions pour les Landes ça avance pas vraiment, à part New York ça avance bien, ça c'est le seul truc qui avance bien par contre, parce que Star Wars je pense clairement que c'est annulé. Et voilà, donc Marvel bah, ils ont déjà fait beaucoup de façades, il y a déjà des échafaudages pour la façade de Rock, qui sera Iron Man. Donc là je tiens la main, hein. C'est pour ça que ça bouge peut-être un peu. En même temps si je tenais autrement ça bougerait aussi. Je passe stabilisateur. C'est l'Aero 7 Silver d'ailleurs. Je pense que la qualité est bien d'ailleurs. Vous m'en direz des nouvelles. Donc j'en avais déjà fait un vlog, une balade en vélo avec, c'était bien. Et donc ce vlog aussi ça permet aussi de tester un peu les compétences de cette GoPro. Et voilà, de voir comment ça peut se passer dans les parcs pour que je sache comment l'utiliser et pas faire des erreurs. Par exemple, peut-être que là je bouge un peu trop, peut-être qu'il va falloir que je bouge un peu moins. Enfin, que j'essaie d'être plus doux sur les mouvements. Genre, quand je tourne comme ça, là ça se trouve vous vomissez. Ah oui, là, je sais pas ce que c'est ça, si c'est une piscine géante, une patinoire, je sais pas. Vous me direz si vous savez. Donc là, oui, on voit bien, effectivement. Ça a bien été repeint, c'était beaucoup mieux. Ouais, c'est assez grand. Après l'hôtel New York, je suis pas emballé par ça. Enfin l'hôtel, ça s'appelle l'hôtel truc machin, là, Art of Marvel. Ils aiment toujours les noms à rallonge ici. Hein. Là il y a le Cheyenne juste à côté, qui me tente un peu plus celui-là. Et même, je vais pas dormir à l'intérieur, hein, ça servirait à rien. Surtout qu'en plus c'est super cher. Puis le Cheyenne quand même je trouve qu'il est un peu bizarre, enfin un peu fade. Il manque de détails et là c'est mort. Pas beaucoup d'animation, pas beaucoup de vie. Les bâtiments se ressemblent, se répètent. Alors que par exemple le Sequoia et le Newport, moi j'aime bien. Ils sont pas trop vastes, ils sont. Dans Sequoia il y a des Sequoias, c'est super sympa, ça sent un peu le pain. Ouais, moi j'aime bien Sequoia, c'est mon préféré. Et Newport, il est sympa pour sa déco. Après Newport, il n'y a pas vraiment de parc à l'intérieur, on peut se balader, donc c'est ça un peu qui fait que je préfère le Sequoia. Mais bon, je préfère Disneyland Paris. Le parc, pas les hôtels. Alors, je pense que quand j'achèterai le pass, si j'achète un jour, je commencerai directement, sans hésiter, par aller à Walt Disney Studios. Parce que la tote me manque terriblement. Et Crush Coaster, je l'ai fait que 3 fois. Donc c'est un peu mou comparé à Space que j'ai fait je sais pas combien de fois. Et même ça va encore monter. D'ailleurs, je suis en train de mettre sur Coaster Rider le nombre de tours que je fais. Comme ça, je me perdrai pas. Je pourrais être un peu fiable. Par contre, pour Space, j'ai mis à peu près 20. Parce que je suis pas sûr exactement du nombre que j'ai fait. Ça se trouve, j'ai fait plus. Ça se trouve, j'ai fait moins. Pareil pour Indy, Big Thunder Mountain aussi. Même si Big Thunder Mountain, je sais que j'ai fait beaucoup moins puisqu'il y a toujours autant d'attentes. Et voilà. Ça vous saoule peut-être un peu que je parle tout le temps. Donc là, on voit la Marne. Non, c'est juste un lac avec une rivière.
Ah, ça serait cool par contre que je laisse tomber la GoPro. Hein. Je pourrais pas continuer le vlog. Je pourrais pas vous le montrer d'ailleurs. La plaf, il tombe. Donc là, il y a Cheyenne. Là-bas, il y a Sequoia. D'ailleurs, c'est là, juste à gauche. Donc l'hôtel que je préfère. Puis aussi, c'est le seul hôtel où j'ai déjà dormi. Donc j'ai un petit peu d'affection envers celui-là. Puis aussi, je bois souvent des chocos à chaud là-bas en hiver quand il fait assez froid. Ouais, parce que je prends pas de café, j'aime pas ça. J'aime pas l'alcool non plus. C'est pas si mal d'ailleurs, je finirai pas bourré. Donc là, on voit les petits bâtiments sympas. Donc ouais, ils sont en train de faire une rénovation dessus. Et il n'y a aucune date de réouverture pour celui-là. Le seul qui m'intéresse en plus, pas pour dormir, mais juste pour prendre un chocolat chaud, comme je vous le disais. Parce que s'il ferme, c'est un peu triste si je peux pas prendre mon chocolat chaud. Et j'ai hâte aussi que le Disney Village réouvre, parce que il y a les affiches des attractions qui m'attendent là-bas depuis près d'un an. Parce que je veux les acheter pour décorer ma chambre, parce que j'aime bien, voilà. Pas besoin de t'expliquer pourquoi. Et malheureusement, Disney Village a fermé. Et voilà. Et la première fois en plus, il était réouvert, donc je pensais que je pouvais. Sauf qu'on fait sur les tables des trucs tactiles et qu'elles étaient fermées, ces tables. Donc j'ai pas demandé parce que je suis un peu timide, mais je regrette peut-être. Mais bon, quand il réouvrira cette fois, je ferai pas la faute. J'irai demander, ou alors si les tables réouvrent, bah, j'irai commander sur ça. Et voilà, je les mettrai dans ma chambre. D'ailleurs, j'ai fait une déco assez sympa, j'ai mis des étagères en bois, j'ai mis aussi des Lego avec des coasters dessus, enfin des coasters Lego en fait. Donc j'ai fait un train d'RMC avec des supports RMC et aussi un Vekoma. Donc je me suis inspiré un peu de ce que fait Brick de Kicker. Je sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui vend des coasters en Lego quoi. Et c'est assez sympa, c'est super cool. Bon, on arrive sur la grande route là. C'est vrai qu'on a mis du temps pour passer là. Je sais pas combien de temps on a mis, mais au moins j'avais des choses à dire. Donc là, on voit le parking du Sequoia. Et là, il y a des planches de bois. D'ailleurs, ça sent vachement le bois. Le bois de Leroy Merlin. Ouais, j'ai des références un peu cons, hein, mais en même temps, je suis con. Bref. Feu orange. C'est marrant. Feu orange, je sais plus ce que ça veut dire ça. Merde. Je suis en train de réviser pour le code, ça craint. Mais bon, j'ai commencé il y a quelques temps, donc quelques jours. Ouais, ça sent vachement le bois et le pain, donc ça c'est agréable, très agréable. Et là, il y a des constructions là-bas, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Bon, moi je vais un peu l'accélérer parce que je veux rentrer chez moi pour jouer à Planet Coaster. Parce que quand même, il doit être 17h là, je vais regarder. Et effectivement, ah non, il est 16h40, je me suis totalement planté. À quelques minutes, mais bon, 20 minutes. Donc oui, je me suis acheté, je vais vous montrer ça plus en détail parce que j'ai pas eu trop le temps là-bas. Il y avait vachement de monde. Voilà. Donc c'est un Pins 2021, oui, comme vous avez pu le voir. Je le trouve assez sympa celui-là. Et donc j'ai acheté parce que il fallait un peu commémorer cette année qui est un peu chelou, comme on peut le dire. Et bon, j'aurais pu en acheter un 2020, ce serait encore plus chelou. Mais bon, j'avais pas le temps, j'avais pas pensé. Mais bon, je rattrape mes erreurs sur 2021. Puis aussi c'est l'année de réouverture de Disneyland, donc c'est sacré, ce sera historique. Et j'ai aussi acheté une lanière parce que j'ai plus de place sur mon ancienne lanière Phantom Manor. Et il faudrait que je pense à acheter un cahier aussi parce que ça s'élargit tout ça. Et si je dois acheter des lanières à chaque fois, je n'aurai plus de place pour mettre les lanières. Donc ouais, je suis pas fan de Disney mais je fais la collection des pins. C'est assez chelou, oui, bizarre. Mais bon, j'aime bien, ça fait quelque chose à collectionner. Ça remplace les cartes Pokémon. Donc là, on voit les séquoias. Non, on voit même pas les séquoias en fait. L'entrée là-bas. Il y a un bus qui arrive. Oh merde, on va se faire tuer. Ah, sentez-moi ça. Sniffez-moi ça. C'est pas de la drogue, c'est du sapin. Du séquoia.
sauf que vous pouvez pas sentir, dommage. À moins que vous sniffez votre PC ou votre tablette ou votre téléphone, mais j'ai du mal à croire. C'est vert pour les, c'est rouge pour les vélos, donc je pense qu'on s'en fiche un peu, c'est, on n'est pas des vélos. C'est quoi la lodge, waouh. C'est quand même stylé, hein, tout ça. Ça a du coûté cher, je pense. Ah, s'il n'y avait pas Disney, je pense que je me ferais chier. Parce que le parc Astérix, il y a quand même assez loin. J'irai pas tous les jours comme ça. Et le reste des parcs, autant ne pas y penser parce que Nickland, c'est le plus proche après, mais il n'y a même pas de moyen de transport ou alors c'est super compliqué pour y aller. Mais je préfère attendre ou saisir des opportunités plutôt que prendre le train. Ça va être chiant. Puis je vais perdre beaucoup de temps surtout. Même s'il y a pas plus à tester. Allez, Wally Bubblegum, autant ne pas y penser du tout. Est-ce que de faire que là ? Oh non ! Donc là, c'est à double sens. Et on n'a pas le droit de dépasser vu que c'est une ligne continue. Donc on n'a pas le droit de dépasser par la gauche. Et là, on va passer sur le pont. Ah bah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'un peu important quand même. C'est que... Oh, j'avais pas qu'on voyait le bâtiment de Rock'n'Roller Coaster de là-bas. Mais bon, on le voit de partout de toute façon celui-là. Donc là on voit les camionnettes et un truc qui fait le truc. Je crois que ça nettoie l'eau, je suis pas sûr. Et là on voit. Ouais, bah là je sais pas, on peut jamais aller sur ces chemins. Et là on voit bien Sequoia qui est un peu en rénovation. Il y a des échafaudages à certains endroits. Donc voilà. Ouais, on voit bien les échafaudages là-bas. Donc oui, je devais continuer mon truc. Alors, en été, j'avais proposé à Nino d'aller à un endroit assez spécial. Assez spécial pour lui, surtout. Parce que moi, j'y suis allé l'année dernière. Et ça va être possible. Je vous le dis pas tout de suite, vous allez deviner. Je vous le dirai peut-être en juin, je sais pas. Je vous le dirai discrètement. Tiens, je suis revenu avec un souvenir. Donc là on voit le Newport Bay Club qui est le centre de vaccination en ce moment. Pas pour longtemps parce que, enfin si, peut-être pendant longtemps. Mais bon, je m'en fiche vachement. J'ai pas l'intention de me faire vacciner pour l'instant. Bon voilà, donc j'ai ramené ça, ouais, pour un petit souvenir comme ça. Parce qu'on n'en trouve pas à côté de chez moi. Regardez-moi cette entrée. Ah, la voiture m'a empêché de parler. Bref, voilà l'entrée du Newport Bay Club. Autrement dit, le centre de vaccination dont tout le monde parle et qui est fermé. Ouais. Donc c'est pas possible le dimanche. Et pourquoi là il y a un... Ah oui, non, en fait non, j'ai rien dit. Oui, l'entrée est pas ici, l'entrée est plus sur la grande route qui permet d'aller au Disney Village. Ouais, je dis à l'anglaise moi. Voilà, là il y a aussi des petits pains. Ouais, Newport est assez sympa, ça fait assez Nouvelle-Angleterre je crois. Je sais plus si c'est ça comme nom. Bon. Donc oui, j'ai ramené une pomme de pain, ça vous dérange? Donc la lanière, je voulais pas vous montrer, mais... Enfin si, je voulais vous montrer. Et je pense que... C'est une lanière assez sur le thème américain, là. Le truc américain de Disney, là. Où genre, bleu, blanc, rouge. Tout est bleu, blanc, rouge. Les tasses sont bleu, blanc, rouge. Les serre-têtes sont bleu, blanc, rouge. C'est quoi ça? Ah oui. Et là, on peut voir la petite map qui permet de s'orienter. Là on peut voir les voies Disney Studios et Disneyland Park ainsi que les hôtels Disney, Disney Village, Disney Club et nous on est là. Donc là il y a Ceris, la gare RER ici, et là il y a Ceris aussi, oui là c'est chez 6 Ceris en fait, entre les deux. Et là il y a le point d'Europe où on est allé une fois, on a tourné un truc, c'était pour la sortie en vélo là. On avait fait une petite séquence à l'intérieur. Et à l'extérieur aussi, quand on mange une glace, c'était sympa, ça. McFlurry à McDo. Il faudrait que je refasse ça, d'ailleurs, c'est réouvert, donc je pourrais en profiter. Ça me manque les McFlurry. Là, on voit Ceris là-bas. Ville très sympathique, d'ailleurs. C'est assez moderne, assez calme. Moi, j'aime bien. Et puis, il y a aussi d'autres villes assez sympas, genre Bailly. J'ai vécu pendant assez longtemps à Bailly. D'ailleurs, c'était très sympa comme ville. Là, il y a une armoire haute tension, ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas? Ah bon? Il y a un peu de rouge. Je reprends la même route que par laquelle je suis rentré ou sorti.
grand entrée sur le coup. Et donc voilà, là on voit le parking, plein d'ambulances là-bas. On va à Disneyland. Non, malheureusement, c'est fermé encore. Oui, bah oui, on n'a pas changé de jour, on est toujours le même. D'ailleurs, je sais même pas si on est le 26 ou le 25. Je crois qu'on est le 24 plutôt en fait. Je vais regarder. On est le 23 et vous voyez ce magnifique fond d'écran pris par moi. C'est un Indiana Jones, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, mais je pense que faut être aveugle. Hein. Oui, on est le 23. Donc j'avais utilisé pour un concours photo d'ailleurs. Et j'ai perdu. J'avais perdu contre je sais plus qui. C'était pas une photo de Disneyland, c'était je sais plus quoi. Là, il y a un champ ici, je crois qu'ils font intérêt des échos. Là on voit la tête là-bas. Ah, j'ai hâte de pouvoir refaire celle-là. Et je ne filmerai pas à l'intérieur parce que c'est dangereux de filmer. Enfin, c'est pas dangereux, mais c'est interdit. Ils sont très sévères là-bas. D'ailleurs, à Disney, ils sont toujours sévères. Et d'ailleurs, je ne pense pas filmer dans Space parce qu'on voit rien. Enfin, bon, hip. Donc, pour ceux qui veulent que je filme, bah, faudra attendre. Attendre qu'ils ouvrent, ils cassent tout. Je préfère filmer au parc Essex. Parce qu'au moins, là-bas, il y a le droit. Et parce que. Voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec les gens. Je préfère filmer dehors. Là où c'est autorisé, quoi. Mais bon, ça, je pourrais quand même faire une petite on-ride de rock pour vous. Et pourquoi pas de crush coaster aussi. Mais discretos. Donc la qualité peut-être, sera peut-être pas phénoménale. Et là, on voit les gens qui veulent se faire vacciner. Il ouais, y a beaucoup de monde, j'ai l'impression. Toujours du monde pour se faire vacciner, j'ai l'impression. Et ah, je savais pas qu'il était comme ça. Je m'en souviens même plus comment ce qu'il est. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Paris est assez beau. Ouais, c'est vrai que ça doit être sympa de se faire vacciner là-bas. Donc, si vous voulez vous faire vacciner, c'est ici et pas ailleurs. Parce qu'ici, c'est beau. Faites pas ça dans un gymnase, c'est moche. Enfin, je dis ça, mais c'est pas votre faute en fait, ça dépend de la région où vous êtes. Donc, ceux de Seine-et-Marne, les chanceux de Seine-et-Marne peuvent se faire vacciner ici. Voilà. RIP. Mais bon, en gymnase, c'est bien aussi. Hein. Je vous l'avais promis, nous y sommes. Le sommeil. Donc voilà, on peut voir tout ça. Le ballon et bien sûr le truc le plus important c'est qu'on peut voir un peu car c'est ici on peut voir la tote elle est belle comme ça je vais l'épouser donc je pense qu'on va se laisser sur ce plan on peut voir aussi Rock'n'Roller Coaster et donc là on voit le petit Disney Village enfin le World of Disney surtout il y a des gens. Il y a toujours des constructions aussi. Et donc là on voit, oui, bon, je l'ai déjà dit, on voit Todd. Et on voit aussi le Studio One. Donc voilà. Donc voilà, on voit la tour aussi du Val d'Europe au fond. La toute petite tour qui est quand même assez sympa. Ouais, c'est assez jaune ici. Oh là là, j'ai envie de la faire. On va pas ouvrir juste pour moi. Là on voit le château d'eau. On voit les constructions d'ailleurs, je savais pas que vous voyez. J'ai envie de rester ici à tout jamais. Bon, bientôt je serai derrière ces palissades. Et ça, ça sera cool. Là-bas, on voit le Val d'Europe d'ailleurs. Et on voit la vallée là-bas. Et il y a aussi la gare de métro, RER et tout. Enfin, RER surtout, parce que métro il n'y a pas. Et là, il y a le cinéma Gaumont. On va voir ce qu'il y a là-bas quand même, parce que je m'en souviens plus. C'est bon, pas passer ici. Je regarde, donc je fais attention quand même, je vais essayer de pas casser les travaux des autres. Ah, tiens, on voit bien Studio 2 ici. Voilà, le Studio 2 où il y avait la Cinémagique, et d'ailleurs, on voit le parachute drop au bout. D'ailleurs, on voyait un bout d'Air Serizer tout à l'heure. Donc là, il y a la voie backstage. Là, on voit bien la tour du Val d'Europe au fond. Je ferai des zooms, hein, bien sûr. De loin, ça se voit pas trop sur la GoPro. Donc voilà, là, ouais, c'est ici que j'avais pris ma photo de la Tote, je crois. On voit aussi d'ailleurs Air Serizer.
Et on voit l'entrée. J'ai envie d'y aller, putain. Mais je ne peux pas. Et on voit aussi Big Fun dans Mountain. Je vais pas. Ah là là. Vivement qu'on puisse y retourner. Je ferai plein de vlogs rien que pour. Ah oui, donc ouais, on voit aussi l'allée principale, RCA, et ça on le voit bien aussi, on le voit super bien, je pense même plus. On voit aussi les parachutes, drop. Ce serait bien si on entendait les gens crier, parce que moi j'aime bien la source. Et donc là, on voit encore mieux RCA, et on voit beaucoup moins la tête. Tu vas regarder si on voit ce qu'on voit là-bas. Il y a des caméras de surveillance, par contre ça me rassure pas vraiment ça. Mais bon. Ouais. Il y a toujours la scène. La scène où il y a les spectacles. Il y a même le Electroland. Ah oui, on voit bien. On voit même Ratatouille, je m'en souvenais pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a du jaune, c'est quoi le jaune? Ah bientôt j'y serai hein. Bientôt, peut-être pas. Donc ouais, on voit bien Ratatouille, on voit aussi Parachute, on voit RCA. Et là-bas il y a Rock. Je ferme mes mots tellement c'est sympa. Bon, je vais peut-être prendre une sortie si j'ai envie de passer par le même endroit. Je sais pas si c'est interdit d'aller ici par contre. J'espère. Ah oui, on voit même les ascenseurs. Les trappes sont ouvertes. Peut-être qu'ils font des tests. Donc voilà. Ah non, c'est la peau de peinture. Et là, c'est quoi? Oh, ok, d'accord. On voit aussi chat. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sûrement sur du planco parce qu'en ce moment je fais que ça. C'est dommage d'ailleurs, j'aimerais bien faire des vlogs plus souvent. D'ailleurs là on voit le métro qui arrive, on fait coucou métro, allez on fait coucou. Bon, on va pas rester ici comme des cons hein. On voit même Motor Action là-bas. Et on voit le Val d'Europe en face. Bon, il y a des gens là-bas. Des gens partout. Allez, bientôt je prendrai l'RER pour prendre ma destination secrète que vous aurez sûrement deviné hein, si vous suivez la chaîne et si vous savez que pour prendre le RER depuis ici il y a un endroit assez particulier qu'on peut rejoindre en prenant deux RER. Et voilà, donc on se quitte ici. Plus.